Le truc, c'est un coup qu'on aura un ours blanc devant nous, tu vois. On aura plus de balles, quoi. J'en ai acheté 200. Ouais, c'est bon. On peut y aller. Oh, t'es fatigué, c'est que tu te donnes. Ouais. Un peu trop, d'ailleurs. C'est bon d'être fatigué, c'est sain. Il faut être fatigué. Et voilà, en route pour Saga Africa. On a fait notre petite randonnée quotidienne aux 1000 mètres. Et maintenant, on n'est pas encore les paris, les pronostics sont pas tous d'accord sur le dénivelé de la face. Ça va de 400 à... Ah, je crois que j'avais dit 350. Laurence avait joué la sécurité, 350. Moi, j'étais à 300 et là, je parierais plus maintenant sur 200. Alors que Jérôme était dans l'excès une fois de plus avec 400 mètres. Non, 450, c'est moins 400. 450. Jérôme, il avait envie de voir le mur de ouf. Tac. Les gants. Les pitons. Mémé et balle neuve. La machine. Matt est en train de fixer les longueurs qu'on a grimpées le premier jour avec une stat et de manière à ce qu'on puisse monter assez rapidement sur les longueurs dures, ces belles fissures là-haut. Voilà, donc aujourd'hui ça va être challenge dans ces grosses fissures à main, notamment la première, et puis les autres on les a pas encore découvertes, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. On entend bien Matt qui bricole, qui dans sa spécialité plante des pitons. Ça va cailler un peu, mais ça va. Donc, commence voilà. À t'acclimater. On commence à s'acclimater. Les exsoies dans la neige, là. Mais non, on est bien. Tu vois, les prochaines vacances en Grèce, je pense que... c'est bien, très bien. Elles se plaignent pas mal, Jérôme. Hein. Ouais. T'as, il fait grand beau. Grand beau. De la marche, de la poignée jumard, de l'escalade sur physique. Je suis épuisée. J'en peux plus. Et on a fait 50 mètres. Non mais ça faut pas le dire par contre. Alors Jérôme, eh bien j'ai froid mais je suis content parce que là, belle fissure, large et tout, super classe. On a mis un peu des spits là pour pouvoir la connecter en fait, sinon c'était pas vraiment possible. Du coup voilà. C'est parti. C'est parti, ouais. La météo est... capricieuse. Waouh. Summer. Warm, ils ont dit les Inuits. Hein. Comment ils font les Inuits? Warm. Ils font warm. Summer, hein. Warm, hein. Voilà quoi. Allez, c'est parti. Allez chat, allez tu montes, ouais. Tu montes tes pieds bien haut, c'est tes pieds qui te sauvent à chaque fois. Oh non, elle met des genoux.
des pinches un peu au-dessus encore. Allez. Ouais, c'est beau ça. Allez, Sacha, au-dessus, t'auras un bon verrou. Allez, bourre, c'est ça. Allez. Allez, là, encore un mouvement et t'es sauvé. Allez. Allez. Tu peux le ramasser la corde. Ouais. Allez, là, c'est gagné, hein. Allez. Alors, Sacha ? C'est dur. C'est beau, mais c'est dur. Ça va ? Je suis au-dessus un peu plus. Non, mais là, tu viens de faire le crux de la voix. Magnifique. Je suis tombée comme ça. Attention, je filme. Je monte. Ah, il faut t'enchaîner là. Bien. Voilà une belle ascension. Une belle ascension. Ouais. J'en peux plus. Mais c'était très très beau. Et ben on est au sommet. J'attends le bas pour me réjouir. On a encore toute la descente en ratelle. Ouais. Bon, la vue pas mal hein, quand même aussi là. Hein. Ouais, putain. La vue là, attention les yeux. Ouais, le marécage géant. Le marécage géant et un superbe rappel sur ce qu'on appelle le béquet d'or. Qui est là. C'est important d'être beau, c'est bien de faire des bons tours. Ouais, mais là je trouve que c'est bien. C'est un truc tardif. Tu vois là, si tu veux que les gens ils fassent bien ce que t'as fait, c'est important de montrer qu'on est redescendu un bout par exemple. En tête. Nettoyer, balayer, mastiquer, qu'il soit toujours. Tu vois, ce qui m'étonne, c'est que ce vocabulaire te soit connu. Yeah. T'as oublié un couplet là, moi.